My name is Chloe, and I would love to talk to you about my experience in Omiya and why I'm so fond of the city. Since I originate from Oklahoma City, one of the most fascinating parts was experiencing the overall outreach programs between Oklahoma and the entire region of Picardy, but especially the sisterhood between Tulsa and Omiya through their schools. One of the most amazing parts of Omiya was being able to walk through the city and seeing where history took place. The streets that I walked in every single day, you could see where buildings had been affected by the war. As an American, I think that's super interesting because you are able to literally take a walk through history. And one of my favorite parts of Omiya was actually St. Pierre's Park. Families would gather there for picnics and just hanging out, and people of all ages would be taking walks through the park alongside the duck ponds or the smaller canals that run through it. Truly great. Thank you for listening, and I declare open the first season of Notaire Picard. Au revoir et bonne journée. Bonsoir. Il n'y avait lieu plus grandiose pour lancer cette série documentaire sur les villes picardes qu'ici, en plein cœur de la capitale régionale historique. Et pourtant, entourée de cette végétation florissante, de ces canaux qui valent à Amiens son surnom de Petite Venise du Nord. Bienvenue dans les ortillonnages d'Amiens. Ici, la Somme cesse d'être un cours d'eau linéaire et s'éparpille pour former de nombreux étangs et rigoles, rendant les terres immergées particulièrement fertile. Au Moyen-Âge, les hommes ont aménagé ce lieu singulier, en creusant les canaux et en bâtissant de véritables parcelles sur les terres, afin d'y développer la culture maraîchère. Cette tradition subsiste toujours de nos jours, bien que de nombreux terrains soient aujourd'hui devenus de simples jardins d'agrément. Les ortillonnages d'Amiens sont donc une véritable carte postale, plantant le décor de notre série en incarnant l'un des symboles de la ville. Les autres, nous allons les rencontrer au fil de notre balade, à travers les époques. Le principe est simple. Les lieux emblématiques d'Amiens nous permettront de découvrir la capitale de Picarde en 5 époques différentes. C'est donc ici que nous allons donner le coup d'envoi de ce premier épisode. Préparez-vous à redécouvrir l'histoire de ces villes qui jalonnent notre quotidien. Nos terres picardes commencent maintenant. Notre déambulation à travers l'histoire d'Amiens, nous allons remonter le temps. Non, encore plus loin.
bien plus tôt encore. Il nous faut revenir à une époque où Amiens n'était pas encore une ville, mais juste un campement le long d'une rivière, alors que nos ancêtres chassaient encore dans les forêts alentour avec leurs outils en silex. Derrière ce bâtiment contemporain, inauguré en 1998, se cache le passé enfoui et lointain d'Amiens. Bienvenue dans le jardin archéologique de Saint-Aquel. Alors nous sommes ici, dans un faubourg au sud-est de la ville, urbanisé au milieu du 19e siècle, alors qu'Amiens s'étendait encore et encore pour accueillir les ouvriers à l'ère de l'industrialisation. Si ce quartier de Saint-Aquel est alors réputé pour les belles façades de ses bâtisses, considéré comme le quartier anglais d'Amiens, une découverte va tout changer. Dans les années 1850, le site sur lequel nous nous trouvons est une simple gravière, une carrière de gravier. Le sol est ainsi creusé et les ouvriers y découvrent des objets intrigants. On appelle ça à l'époque des haches taillées, puisque ce sont des pierres pointues, coupantes, qui sans nul doute ont été sculptées pour avoir cette forme. Vous l'aurez compris, ces ouvriers viennent de découvrir ici, à Amiens, les premiers bifaces, ces silex taillés par les hommes durant la préhistoire, pour un usage non prouvé aujourd'hui encore. Cette découverte suscitera l'attention des scientifiques de la région. Nous sommes en 1859. Les recherches d'un passionné abbevillois, Jacques Boucher de Perthes, sur l'existence d'un homme antédiluvien contemporain d'animaux disparus comme le mammouth, suscitent la controverse dans le monde scientifique. On fustige cette théorie qui impliquerait que l'espèce humaine soit plus ancienne qu'on ne le croit. C'est dans ce cadre qu'un archéologue et un géologue, Pinsard et Presswich, inspirés par les travaux de Boucher de Perthes, s'intéressent aux haches taillées de Saint-Aquel. Des fouilles sont entreprises, des photos sont prises et diffusées dans le monde scientifique pour prouver l'ancienneté de l'homme. Albert Gaudry, un autre géologue, effectuera d'autres fouilles et présentera ses recherches devant l'Académie des sciences de Paris. C'est ici dans la Somme que la préhistoire émergea enfin comme champ d'études. En hommage à ce quartier de Saint-Aquel, le nom d'Aqueléen fut d'ailleurs donné à l'époque s'étendant entre 1,76 million et 150 000 ans avant notre ère, qui vit l'apparition des bifaces. Mais revenons à l'histoire d'Amiens. Comme le montrèrent les fouilles de Saint-Aquel, la ville fut occupée dès le paléolithique, il y a 450 000 ans. Le site est ici, idéal sur les rives de la Somme. Il fut d'ailleurs réoccupé il y a 35 000 ans par les premiers Homo sapiens, qui lacèrent là ce qui peut être considéré comme la première œuvre d'art de la ville. Découverte en 2014 et exposée au musée de Picardie, la Vénus de Ronancourt, d'une taille de 4 cm, et le témoignage de l'implantation d'une tribu de chasseurs-cueilleurs sur ce territoire. Les siècles passent et l'homme progressivement se sédentarise. 3 siècles avant Jésus-Christ, les tribus belges débarquent dans la Somme. Parmi eux, la tribu des Ambiens, toute ressemblance avec le nom d'Amiens n'étant pas hasardeuse. Ils fondent Samaroupriva, un pont sur la Somme, Jules César séjournant dans la ville et témoignant pour la première fois de son existence en 54 avant notre ère. Devenant ville romaine au 1er siècle, Samaroupriva devient 2 siècles plus tard Ambianorum, en hommage à la tribu gauloise. La ville acquiert une certaine importance de par son emplacement, un carrefour commercial, à l'entrecroisement de grandes voies romaines. Elle compte 25 000 habitants à son âge d'or. Mais bien vite, les troubles se multiplient. Au 3e siècle, les incursions de tribus barbares comme les Francs se font fréquentes. La ville se vide et finit par se fortifier. Amiens se métamorphose alors en véritable cité militaire, un verrou essentiel pour protéger le nord de la Gaule. Rien n'empêche toutefois le délabrement de l'Empire romain. À sa chute, Amiens exsangue et le restera pour quelques siècles encore. Mais la future capitale de Picardie renaîtra bientôt de ses cendres. Des temps nouveaux s'annoncent, Amiens prend de la hauteur et de la grandeur.
On la présente comme la plus grande cathédrale de France en termes de volume intérieur. Je veux bien entendu parler de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Son élévation est le symbole du destin d'Amiens au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge classique, à savoir la période s'étendant entre les 11e siècle et 13e siècle, voit l'essor de la cité picarde et son établissement comme grande ville incontournable du nord de la France. Amiens devint avec la bénédiction du roi de France, mais non sans conflit avec le seigneur du comté, une commune autonome. Cette émancipation de la cité facilitera son expansion, notamment d'un point de vue économique, avec une relation plus directe avec la couronne de France. Au XIIIe siècle, Amiens a tout pour elle. Une autonomie politique, une relation privilégiée avec les rois de France, une santé économique et financière remarquable, due à son industrie de la draperie, et une église catholique très présente. L'addition de ces différents éléments permet le lancement d'un des chantiers les plus ambitieux qu'ait connu la ville. Sur ce parvis s'élève à partir de 1220 la nouvelle cathédrale d'Amiens. D'une hauteur de 42,30 m sous voûte, ce qui en fait la deuxième cathédrale française la plus haute après celle de Beauvais, et d'un volume intérieur deux fois plus élevé que celui de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame d'Amiens est un ovni du monde gothique. Il faut dire que son premier architecte, Robert de Luzarches, a vu les choses en grand. La cathédrale doit être un véritable livre de pierre sur la religion pour les habitants de la ville, ce qui lui vaut son surnom de Bible d'Amiens. C'est ainsi le sens de la construction au cœur de la nef du célèbre labyrinthe de la cathédrale, qui symbolise le chemin à suivre pour accéder au paradis. L'édifice est ainsi finement sculpté et comporte l'un des ensembles statuaires les plus importants du monde gothique, restauré en partie au XIXe siècle par le célèbre Viollet-le-Duc. L'élévation de la nef fut très rapide, à peine 16 ans. En 1288, la cathédrale était pratiquement achevée en un temps record pour l'époque. Ce délai très court explique par ailleurs l'unité architecturale de l'édifice. La cathédrale Notre-Dame d'Amiens fit dès lors la fierté de la ville et de l'industrie aminoise de la draperie qui permit sa construction. Le monument fut non seulement un lieu de culte, mais un édifice à l'intérieur duquel l'histoire franco-anglaise s'écrivit de nombreuses fois. À l'intérieur de ces murs, des jugements furent rendus, des traités furent signés, des mariages royaux furent célébrés. En 1264, le roi Saint-Louis y rendit un célèbre arbitrage, le dit d'Amiens, afin de régler un conflit entre le roi d'Angleterre et les barons anglais. En 1279, il fut signé un traité de paix fondamental entre les royaumes de France et d'Angleterre. Enfin, en 1550, c'est dans le cœur de la cathédrale qu'Henri II ratifia le traité qui officialisait la perte de Boulogne-sur-Mer pour les Anglais et le retour de la cité dans le giron du royaume de France. Vous avez dit symbolique persistante ? La cathédrale résista au temps et aux guerres. Les deux guerres mondiales n'eurent miraculeusement pas raison d'elle. Et la vieille Bible d'Amiens se dresse toujours aussi vaillamment sur son parvis 800 ans précisément, après la pose de sa première pierre. Mais déjà, il est temps pour nous de quitter ces années de prospérité pour Amiens et de mettre le cap vers les temps troublés que la cité connut à la fin du XVIe siècle. C'est un euphémisme, vous allez voir. Le Moyen-Âge s'achève et la Renaissance qui s'installe n'est guère synonyme de paix pour la ville d'Amiens. Ce mur d'enceinte en briques rouges témoigne des temps troublés qui s'annoncent. Amiens se barricade à nouveau en réaction à l'attaque militaire marquante d'un ennemi, l'Espagne catholique. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. La prospère Amiens est affaiblie par ses choix politiques et religieux. Durant les guerres de religion opposant catholiques et protestants, les notables de la ville font le choix du catholicisme radical. Ils rejoignent la Ligue catholique, fondée dans la proche ville de Péronne. Les notables aminois vont jusqu'à faire sécession du royaume de France en étendant leur emprise sur la Provence de Picardie, nommant Amiens
la capitale ville de Picardie. Néanmoins, ce choix radical affaiblit la cité, son économie entraînant d'importantes famines. Au pied du mur, Amiens se rallie finalement au roi Henri IV, ancien protestant converti au catholicisme, en 1594. Ce ralliement contraint et la méfiance du nouveau roi de France envers la cité picarde expliqueront bientôt l'élévation de cette citadelle. 3 ans après la reddition d'Amiens, c'est l'armée espagnole qui se présente aux portes de la ville. Enfin, plutôt sournoisement, tant la prise d'Amiens ressemble à l'histoire du cheval de Troie. Pour envahir la ville, les troupes espagnoles se cachent dans des buissons, tandis que d'autres fantassins déguisés en paysans renversent volontairement des chariots de noix sous une porte de la ville. Un embouteillage se crée, dans la confusion, les faux paysans sortent leurs armes et se rendent maîtres de l'entrée de la ville. Les troupes espagnoles n'ont plus qu'à se ruer dans la ville par cette entrée sécurisée. Et Amiens tombe en 30 minutes, montre en main. La capitale de Picardie, qui tombe sans être défendue. À Paris, Henri IV est furieux. Le souverain a de quoi nourrir sa colère. La ville d'Amiens avait refusé sa proposition d'établissement d'une garnison royale pour protéger la ville. Alors, une fois Amiens reprise après un rude siège de 6 mois, Henri IV veut en finir avec cette commune qu'il a défiée au premier temps de son règne et dont la quête d'autonomie vient de lui donner des sueurs froides dans la préservation de son royaume. Le roi de France reprend les choses en main et Amiens se voit durement sanctionné. Fini les privilèges, la ville ne nomme plus son maire, meilleur à l'époque, mais se le voit imposé par le roi. Le conseil municipal de l'époque passe de 27 à 7 membres et perd pratiquement toutes ses compétences. Surtout, Henri IV a une solution architecturale pour les villes dont il se méfie, l'édification d'une citadelle. C'est ainsi qu'il confie à son ingénieur, Jean Hérard, spécialiste en la matière, la construction de celle d'Amiens. Elle répond à plusieurs objectifs. C'est tout d'abord la démonstration symbolique du pouvoir royal, un monument qui se rappelle à tous ceux qui envisageraient de se rebeller. Le deuxième objectif de la citadelle est en effet de contrôler militairement la ville et de ses habitants, et accessoirement, de la protéger d'attaques extérieures. La citadelle d'Amiens, dotée de 5 bastions, est impressionnante. Elle s'adapte parfaitement à l'aménagement d'Amiens, englobant certaines vieilles portes d'Amiens. Je vous conseille ainsi d'aller jeter un œil à la porte du Ravelin de Montrescu, bâtie sous François Ier, dont on retrouve les fameuses salamandres sur le mur. De son temps, la citadelle d'Amiens n'eut aucun grand rôle militaire à jouer. La guerre de 30 ans vit à nouveau les Espagnols menacer la ville. Mais repoussés par Louis XIII et Richelieu, ils n'eurent jamais la possibilité d'atteindre les murs d'Amiens. La citadelle joua néanmoins un rôle en 1870, face à l'armée prussienne résistant pendant 3 jours. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut un lieu d'exécution, de tragédie avec la détention de Juifs avant leur déportation. Aujourd'hui, malgré son passé agité, troublé et tragique, la citadelle d'Amiens est devenue le campus universitaire de l'université de Picardie Jules Verne. Jules Verne ? Voilà un nom qui nous invite à retourner de nouveau dans le passé d'Amiens et revenir à la trame que nous avions laissée en suspens. Vous êtes déjà là. Le tour d'Amiens, nous allons le faire en moins de 80 jours. Plus de 2 siècles et demi ont passé depuis l'élévation de la citadelle et ses temps troublés. Des rues ont été parcourues et Amiens a beaucoup changé durant notre traversée du temps. La ville s'est modernisée et a aéré son ancien régime. De nouveaux bâtiments somptueux sont bâtis. L'essor de l'industrie du textile entraîne une nouvelle ère de prospérité. La capitale de la province de Picardie devient la capitale de la région administrative de Picardie avec la Révolution française. Amiens devient le centre de l'attention en 1802, lorsque la paix, de courte durée, y est signée entre la France de Bonaparte et le Royaume-Uni, le roi d'Angleterre renonçant alors définitivement à la couronne de France, près de 4 siècles après la fin de la guerre de Cent Ans.
70 ans passent et nous voici à présent en l'an 1872. À quoi ressemble Amiens à l'époque ? Dans les années 1830, la ville a abandonné ses atours médiévaux. Cet entremêlement de ruelles étroites pour l'aménagement d'une ceinture de larges boulevards entourant le centre-ville. Amiens s'ouvre à l'espace et ses travaux font figure d'avant-gardisme quelques années avant les œuvres d'Haussmann à Paris. Non loin de la gare du Nord aménoise, inaugurée en 1846 et symbole de l'arrivée du chemin de fer au cœur de la Picardie, se trouve cette maison atypique, avec cette tour qui la surplombe. En 1871, Jules Verne est déjà un auteur connu, grâce aux publications de 5 semaines en ballon ou encore Voyage au centre de la Terre. L'écrivain décide alors de s'installer ici à Amiens, dans la ville natale de sa femme. Et c'est dans cette maison que le couple emménagera finalement en 1882. Dès lors, c'est une belle histoire qui débute entre Jules Verne et sa ville d'adoption. Le célèbre auteur se plaît à Amiens et y trouve l'inspiration dont il a besoin. C'est dans la capitale picarde qu'est rédigée son œuvre la plus connue, Le Tour du Monde en 80 jours. Mais Jules Verne ne se contente pas d'être inspiré par la ville, il devient son plus fidèle ambassadeur. L'auteur rédige ainsi une nouvelle fantaisiste, où il imagine Amiens au XXe siècle. Une ville idéale, adaptation d'un de ses discours, décrit une cité dotée de tramways, rénovée, où célibat et maladie n'existeraient plus. Je vous lis le passage. Aussi n'avons-nous pas d'intérêt à ce qu'il tombe jamais malade, donc plus d'épidémies, ou presque pas. Partout des santé florissantes que nous entretenons avec un soin pieux, comme un fermier qui tient sa ferme en bon état. C'est dire si Jules Verne avait été visionnaire sur l'année de 2020. Plus tôt dans son discours, en parlant d'architecture, l'écrivain mentionne un vaste monument de forme hexagonale avec une superbe entrée. C'était à la fois un cirque et une salle de concert. Il préfigure ce qui sera une de ses plus grandes réalisations pour la ville d'Amiens. Si Jules Verne s'intègre très vite à la société aménoise, il faudra attendre 1888 pour qu'il s'implique dans la vie locale. Victime d'un attentat de son neveu Gaston, qui lui tire une balle dans la jambe, une blessure qui le laissera claudiquant. L'homme est contraint de se sédentariser. Alors Jules Verne se présente et est élu conseiller municipal d'Amiens, avec pour objectif de s'intéresser à la vie culturelle et de mener à bien des projets urbanistiques. L'investissement de Jules Verne est immense et hétéroclite. Dénomination des rues, gestion des écoles municipales, administration du bureau de bienfaisance. Mais la grande œuvre du conseiller municipal Verne est là, à 200 mètres à peine de sa maison. L'auteur inaugure le cirque dont il avait rêvé. Ce projet dans lequel il s'est durement investi en 1889, la même année que l'achèvement de la Tour Eiffel. Bâti sur le modèle du cirque d'hiver à Paris, le cirque Jules Verne tient aujourd'hui encore une place à part dans le paysage aminois. Jules Verne restera au total 12 ans au poste de conseiller municipal. Il deviendra ensuite directeur de la Caisse d'épargne d'Amiens, avant de s'éteindre en 1905, à l'âge de 77 ans. C'est tout naturellement que le mythique auteur, l'écrivain français le plus traduit dans le monde, est enterré ici dans sa ville de cœur, dans un incroyable tombeau taillé par un sculpteur aménois. À sa mort, Amiens est la 10e ville de France, une ville vivante à l'ère de la Belle Époque. Mais bientôt, la Première Guerre mondiale éclate, et la cité, au cœur des batailles de Somme, subit d'importants bombardements. La Seconde Guerre mondiale détruira ensuite 60% de la ville. Une reconstruction s'impose donc. Allez, suivez-moi, après-guerre, vers le renouveau d'Amiens. Nous voici à présent devant cet édifice, qui contrairement aux apparences n'est pas le plus haut d'Amiens, étant dépassé de 2 mètres par la cathédrale, mais qui fut en son temps le plus haut gratte-ciel de l'Europe de l'Ouest, avec 110 mètres de hauteur. La tour Perret, qui paraît aujourd'hui dépassée par les tours toujours plus vertigineuses qui s'élèvent à travers le monde, fut pourtant leur ancêtre, une précurseur élevée il y a seulement 70 ans.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la ville est en ruine. Le général de Gaulle lui-même va constater les dégâts dès août 1945. Les ministres de la reconstruction successifs se rendent également dans la capitale Picarde. L'urgence est à l'élaboration d'un plan ambitieux pour reconstruire le centre-ville d'Amiens et en faire un symbole de modernité. Alors, passés les honneurs rendus à la ville, avec l'attribution de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre 1939-1945, en reconnaissance du martyr enduré par Amiens, on s'active pour réanimer la petite Venise du Nord. Les chantiers s'étirent dans l'ensemble de la ville et sont multiples. Les rues sont élargies, les places réaménagées. Si l'architecte Pierre Dufaux est chargé de la supervision globale de la reconstruction d'Amiens, nombreux sont les architectes qui sont affectés au réaménagement de secteurs précis de la cité. Parmi eux, un certain Auguste Perret. L'homme est un adepte du béton armé, l'un des premiers à l'utiliser. Il a déjà fait ses preuves avant-guerre en faisant notamment sortir de terre le théâtre des Champs-Élysées et la tour qui porte son nom à Grenoble. Alors, Auguste Perret, déjà chargé de la reconstruction de la ville du Havre, s'intéresse de près à la ville picarde et se voit confier le réaménagement du quartier de la gare. Perret rebâtit d'abord la gare du Nord, complètement détruite par les bombardements de 1940. C'est d'ailleurs son édifice qui accueille toujours les voyageurs de nos jours. L'architecte réaménage ensuite le parvis de la gare, dont la verrière sera bâtie par un architecte postérieur en 2006. Enfin, il s'attelle au dernier morceau de son ensemble architectural, sa grande œuvre, une tour en béton armée de 100 mètres de haut. L'édification de la tour Perret fut saluée en son temps, le gouvernement français participant financièrement à l'élévation du plus haut gratte-ciel européen, un vrai symbole d'honneur. Et puis, progressivement, son destin convergea avec celui de la tour Eiffel. La fête passée, l'orgueil assouvi, on s'interrogea sur son utilité. La tour Perret ne logeait personne et aucune entreprise ou collectivité territoriale ne souhaitait s'y installer. On envisagea ainsi sa destruction, avant qu'une société immobilière ne la rachète et n'en fasse une copropriété. Cette fierté de l'après-guerre est aujourd'hui classée monument historique et est définitivement un des symboles d'Amiens. Voilà, nous arrivons déjà au terme de notre voyage, au fil de l'histoire aminoise. Histoire qui, bien évidemment, continue à s'écrire chaque jour dans ses rues. Comme un symbole, c'est devant ce monument particulier que nous allons nous quitter. Nommé les illustrations picardes, il figure en ce sommet une allégorie de la Picardie, que nous allons parcourir en long et en large tout au long de cette saison. On retrouve à sa base, en médaillon ou en sculpture, des personnalités qui ont contribué au rayonnement de la région. Vous pouvez notamment découvrir l'architecte de la cathédrale, Robert de Lussarche, ou encore Jacques Boucher de Perthes, que nous avons à peine découvert aujourd'hui et que nous retrouverons dans un prochain épisode. Nous voici donc parvenus au terme de ce premier numéro de Nous Terres Picardes. Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans les rues d'Amiens et à bientôt pour de nouvelles destinations. Bonsoir.